Le projet Radican, c'est un projet de rencontre entre moi et Balaké Sissoko. C'est une idée de faire rencontrer ces deux mondes qui sont très différents à plusieurs niveaux. Ils sont différents parce qu'un est acoustique et l'autre est électronique, ils sont différents parce qu'un est très intime et l'autre par contre. Moi, je conçois mon instrument comme les enceintes, je les pense comme partie de l'instrument. Donc pour moi, l'instrument, c'est un peu toute la salle. Tandis que pour Balaké, l'instrument est vraiment quelque chose de concret, de très proche. Il y a beaucoup d'échanges. Et puis surtout, moi, pour moi, c'est comme un guide. Il y a plein de sons différents qui viennent, mais parallèles. Donc ça me donne, OK, il faut compléter ça. OK, quand j'ai la chose, ça donne comme ça. Moi, je trouve que c'est quelque chose. Mais pour moi, c'est une expérience que je suis en train de voir d'autres sujets encore. Des sons, là je suis cultivé comme ça parce que moi je fais plein de choses et à l'oreille, donc là c'est pas que là je lis, que je l'apprends, non. Donc je peux agir tout de suite. Donc si lui il sort de trucs, donc ça me donne de compléter. On travaille en improvisant beaucoup et ça c'est un peu la méthode qu'on utilise pour se connecter. On travaille en jouant. Après on fixe certaines choses et certaines choses délibérément on les laisse libres pour les découvrir à chaque fois qu'on joue. L'espace, mais ce n'est pas juste faire bouger un son, c'est vraiment immerger le public et moi-même aussi, parce qu'on est entouré des mêmes enceintes. Ça aussi, c'est important que nous, on vit exactement les mêmes choses que le public. C'est aussi les immerger dans un univers sonore qui sont différents, immersifs et très profonds. En fait.